purée d'amande complète, purée de carotte, purée d'amande blanche, purée de noisette grillée. Ça arrive, hein? Comment ça sort? Marché bio. Donc c'est parti. Salam alaikum à tous. Donc ici, nous avons un jus détox. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Des feuilles d'épinards, du céleri, du persil. Ici, j'ai des fenouilles que je vais mettre. Ici, j'ai de la pâte d'amande. Donc ça m'a donné, au lieu de mettre de la crème, donc je préfère utiliser de la pâte d'amande, c'est mieux. Donc voilà, c'est parti, un jus détox. Les épinards, on va les mettre à l'honneur aujourd'hui. Donc les épinards, c'est une source de vitamine E. Ça contient beaucoup de fer. Pas énormément de fer, mais ça contient du fer en tout cas. Des fibres, du magnésium, du calcium. Déjà, moi je prends beaucoup de chlorophylle, donc il faut savoir que dans les épinards, il y a énormément de chlorophylle. Donc ici aussi, tout ce qui est vert, il y a de la chlorophylle. Donc c'est une source d'antioxydants, bien sûr. Ça purifie le sang, ça augmente la production de globules rouges. Donc c'est un aliment qui est basique. Donc qui va aider à alcaliniser le pH. Donc voilà, toutes ces choses qui sont magnifiques pour la santé. Donc voilà, ça peut être pris cru ou cuit. Hein. Mais cuit, si vous voulez cuire à haute température, ben vous perdez tous les bienfaits. D'où l'importance de ne pas trop cuire ou carrément de les manger crus. Donc voilà, on va lancer la machine, c'est parti. On en a prise d'abord. Donc ça c'est vraiment pour nettoyer le sang, le purifier. Et c'est anti-inflammatoire bien sûr, naturel. Hein. Comme ça nettoie le sang, ben, c'est anti-inflammatoire. Allez, hop, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne veut pas? Je vais voir qu'est-ce qui se passe. Je reviens à vous tout de suite. Ah ouais. Donc c'était ça qui n'était pas tourné comme il faut. Ah, c'est bon, on lance la machine? Ouais. Allez, vas-y. S'il n'y a pas de jus, s'il n'y a pas de jus, c'est sûr que ça va pas se lancer. Bon, on va mettre de l'eau. Un chaud. Oui, c'est un peu de l'eau chaud, mais c'est pas grave, c'est juste pour permettre de lancer la machine. Allez, Nassim, tu peux tourner. C'est parti. Celle d'Himalaya. En fait, c'est plus un jus, hein, c'est une soupe en fait. Comme on a mis de l'eau bouillante, d'eau chaude. Donc c'est plus... De l'eau. Chaud. Un peu chaud. C'est reparti. Ouais.